faire ça en laissant de la place à droite. Et si ah, nos punaises. Oula, c'est bien présenté. Ah, nos punaises. Par rapport à ça, comment mais c'est pas un bleu, ça. C'est un bleu. Est-ce que vous voulez ça? Essayez ça. Prenez ça. Mettez-le dans le creux de la main. Voilà. Et vous ne tournez pas. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Bon, alors, la punaise, je n'y faut pas la peindre. On va mettre de côté et tu peux y passer. Tu voulais me dire que tu as fini, c'est ça? Est-ce que le nid est fini? Oui. Alors, va chercher notre feuille. On va enlever ça. Mets avec moi la bouteille. Une fois. Une fois dans la peinture. Et après, on reprend. Oui. Voilà. Vous penchez un peu comme ça, l'eau reste d'un côté. Oui, tu as fini, c'est bien? Oui. Donc pose le pinceau. Oui. Est-ce que tu veux monter? Attends, tu veux monter? Moi, je veux deux feuilles. Je veux deux feuilles. Pose le pinceau. Je veux deux feuilles. Tu veux deux feuilles? Prends deux feuilles. D'accord. Alors, le gris foncé, ça va être ici. On va le faire. Prendrons d'abord une, on prendra la deuxième après. Attends, non. Je vais prendre aussi deux. Je laisse mon tableau parce qu'il est tout loin. C'est ça. Qu'est-ce que j'aurais? Je voudrais un biscuit. Voilà. Je vais prendre un peu de noir dedans. Alors, j'enlève les punaises de pantalon. Voilà, j'arrive là. Où sera l'autre feuille? Où sera l'autre feuille? Ici. Bon, ça c'est la première. Bon, tu vas commencer par une. D'accord. Donne-moi une. Donne-moi une. Merci. Et c'est toi qui vas ajouter toutes les autres punaises. Doucement, doucement, tu peins trop vite. Ralentis un peu le bout. Voilà, déjà pour ça. Alors, on va faire de la place ici. Lorsque j'ai reçu des enfants, après avoir quitté la maison d'enfants et après avoir proposé donc un atelier qui s'appelait à l'époque l'Académie du jeudi, parce que le jeudi était le jour de congé scolaire, ce qui a changé après. Lorsque je recevais donc les enfants, je ne pensais pas du tout ni à la formulation, ni à l'origine, ni à la mémoire organique. Mon seul souci était de servir, était de permettre aux enfants ce jeu dans les meilleures conditions. Et il a fallu inventer ce métier que j'exerce depuis si longtemps, depuis 1947 maintenant, inventer ce métier qui est sans précédent aussi. Il a fallu que des personnes pratiquent, fassent pratiquer le jeu de peindre. Et ça, il fallait aussi l'introduire, il fallait aussi l'inventer et lui donner un nom. C'est pourquoi, quand on me demande quel est mon métier, je dis que je suis un servant du jeu de peindre. Et ça rend curieux, ça fait sourire. On se demande qu'est-ce que c'est servir, qu'est-ce que c'est être un servant. Eh bien oui, c'est une fonction inattendue, une fonction nouvelle dans notre société. Parce que généralement, quand on pratique quelque chose, on est un dirigeant, on est un maître qui fait profiter les autres de ses connaissances ou de son savoir-faire. Et moi, je ne suis pas un maître du tout. Je n'ai rien à transmettre, je n'ai rien à enseigner, je n'ai rien à apporter aux enfants. Moi, je ne suis là que pour permettre à l'enfant
de jouer dans les meilleures conditions, sans aucune entrave, sans aucune restriction. C'est tellement important que l'enfant puisse jouer dans toute la dimension de ce jeu. Et c'est un jeu structuré, ce n'est pas le laisser aller, ce n'est pas laisser faire, parce que cela aussi malheureusement se pratique beaucoup aujourd'hui dans toutes sortes d'institutions, mais c'est quelque chose de structuré qui est très rigoureux et ça développe chez l'enfant un savoir-faire précieux qui donne à l'enfant une maîtrise et une liberté beaucoup plus grande que le laisser aller que l'on propose un peu partout autour de nous. Avec quelle main tu vas parler? Avec celle, tu parles avec cette main-là? Alors donne-moi l'autre. Tu le tiens bien serré dans tes doigts et tu trempes un doigt. Tu as fini ce tableau. Prends une autre feuille. On va le laisser sécher. On va se mettre ailleurs. Un peu d'encre, une pointe d'encre. Une pointe d'encre. Et puis quelque chose pour monter ici. Oui, 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 je sais. Merci. Arnaud, punaise. Où ça? Où est la punaise? Là. En haut, au milieu? Là, d'accord. Alors, tu te sers de ça encore un moment? Oui. Après, on le donnera à Réna, un peu droite.